Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce gameplay, sur ce let's play sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, il s'est passé un petit quelque chose hors vidéo, c'est que j'ai nettoyé le fort un peu sans faire exprès. Mieux vaut rester caché. Enfin, nettoyer partiellement le fort sans faire exprès. Vous voyez, j'ai tué tout ce qu'il y avait là sur la muraille. J'ai tué ce qu'il y avait par là. Et j'ai tué le dirigeant de faction. Pareil, sans faire exprès. Hein, je vous assure. Je me suis éloigné un petit peu. Je suis allé faire du nettoyage dans un fort à côté. Et puis voilà. Donc on va tenter de nettoyer gentiment. Et j'ai aussi respé mon truc. Donc mon but d'assassin, mon côté assassin, là, je l'ai mis sur une autre roue. Vous voyez, en appuyant sur le petit 2. Je vais t'arrêter. Wow. Allez, on balance tout et puis après on claque le cul. De l'eau et de l'eau. Bon, ça va, on a mis le boxon mais il y avait personne. Je sais pas où est le corps. Bon, il a la faute. Bon, maintenant que j'en suis là. Mais par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sabote le feu d'alarme. Je crois que c'est pas comme si je comptais me faire cramer, mais bon. Dans le doute. Maintenant que j'ai éliminé le plus gros de la garnison, ce serait con de se faire cramer et que la garde arrive et me pourrisse la fin de partie là. Hop. On va voler tout ce qui a volé. Du coup, j'ai fait beaucoup de nettoyage de fort hors vidéo. Bon, vous commencez à savoir comment je procède hein, pour les forts. Hein. J'observe un peu les zones. Ah, j'ai boosté mon assassinat aussi avec mon 19e point. J'en ai profité, ça aurait été dommage. Je vais pas mettre le feu tout de suite, c'est un coup à se faire cramer. Là, ils sont encore un petit peu trop groupés. Faut que je fasse comme j'ai envie. Hop, on va aller là-haut. Hop, 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 hop. Ah, je me trompe de touche.
Attends. Tu vas mourir. Allez, on déclenche l'ulti. Ah, par contre, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Ça brûle ! Allez, on balance. Voilà, prime annulée. Voilà. On va aller faire la quête. On va faire la quête vite fait avant qu'il y ait tout le monde qui revienne. Et on va se faire tout le reste. Le rapport de force ne sera plus le même. Ah mais ils sont prisonniers eux. Je crois que c'était des gardes, moi. Hop, hop, hop. Donc du coup, j'ai descendu la puissance nationale de la zone. Allez, enfuis-toi. Et voilà. C'est passé. Faut explorer. Il reste encore un truc que j'ai pas fait. Ah bah oui. Puis après on va s'en aller rendre la mission. Alors ça me l'a compté comme étant détruit alors que j'avais jamais détruit. Ah ça, je savais pas que ça marchait sur les oiseaux aussi, tiens. Ah oui, maintenant j'ai plus de prime sur la tête, j'ai tué le gars dans le fort. Allez. Bon, du coup, ça fait une bonne chose de faite. Je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça s'est passé, du coup. Donc j'avais commencé à nettoyer la zone, puis j'ai déclenché l'alerte sans faire exprès. Après avoir tué le chef de faction. Donc on voit, hein, là c'est vulnérable, du coup. Je pourrais m'amuser à y faire passer tout de suite au camp spartiate, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Du coup, je suis monté ici, j'ai nettoyé le campement, et puis du coup, ça a fini d'achever la puissance militaire. J'ai tué... qui j'ai tué? J'ai tué... Il me semblait qu'elle l'avait tué. Il me semble que je l'avais tué. Bah, pas lui, ça c'est sûr, 35. Il me semble que c'était elle. Je sais plus. Enfin bon, j'avais tué un mercenaire. Enfin bon, voilà.
Donc ça s'était plutôt bien passé. Voilà, je voulais passer parce que sinon on y aurait passé une heure de vidéo dessus. Et je me doute que vous appréciez pas forcément. Là j'ai chopé un plastron niveau 19. Ouais, je perds en guerrier, je perds en... Et je gagne dans le reste et je perds en santé. Je perds même en armure. Ah bah oui, parce que celui-ci il me donne un bonus d'armure générale. Plus 12% à l'armure totale, ça y est en passant, c'est pas dégueulasse. Et ça, ça me donne des dégâts d'assassin, des dégâts de chasseur. On va juste voir à quoi... Non. Nope. C'est moche. C'est très très moche. La limite, elle, je préférerais, quoi. Elle est moins vilaine. Ça, on va détruire. On détruit. Elle est pas vilaine, on va la garder pour l'instant. Ok. Ouais, après là, j'ai looté des bons... Oh, ça, ça pourrait être... Bah non, mais c'est des trucs de chasseurs, comme d'hab. J'ai pas looté un beau casque, là. Il ressemble à quoi, mec? Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Là, je fais vraiment ma fashion victime. Oh, oui. Ça, c'est quand j'ai tué l'autre... Brison. Ensemble de héros. Toutes flèches percent. Ah, ça peut être pas mal si j'ai l'ensemble. Toutes les flèches perceront les boucliers. Ça peut être pas mal. Ça, ça me fait quoi? Je gagne en armure, je gagne en chasseur. Et plus 8% pour les par aptitude surpuissante. Donc j'ai du surpuissant. Ah, mais c'est laid. Ah non, franchement, c'est laid. J'avais quoi, moi? Non, non. Je suis désolé, le look, je sais, mais non. Non, c'est... Ça, par contre, oui. Là, j'ai quoi? Plus 2 secondes durée d'incendiaire. Ça, c'est pimp. Ça, c'est joli, ça. Critique. Ouais, je vais garder ça. Tant pis pour les dots incendiaires. Et puis là, je vais garder ça comme ça. Moi, j'essaie d'équilibrer quand même un peu, mais bon, faut pas déconner. Si c'est laid, c'est laid. Du coup, ce mercenaire, je vais pas me la faire. Ça sert à rien. Là, ça sert à rien. On va aller valider la quête. On va pas y passer trop de temps. Je vais essayer de vous faire un épisode assez court, vu que là, j'ai enchaîné pas mal de choses avant. Et puis, je pense que j'allais me faire une petite... Parce que la pause s'impose. Navire de guerre antique, oui, c'est bien. Sa fonction militaire était dépronée avec son rostre. Hop là. J'ai quoi à lui verser les drachmes au moins ou... j'ai même pas regardé. Est-ce que j'ai les 17 000? Ah! On va voir. Est-ce qu'elle va dire que j'ai assez ou pas? Revoilà le puissant spartiate, ou presque. Je n'ai pas encore ce que tu me demandes. Mais je vais revenir. Pour ma part, rien ne presse. Si tu cherches du travail, vois avec les habitants de la ville. Je suis sûr qu'un bon mercenaire leur serait utile. Il manque vraiment pas grand-chose, là. Y a pas un forgeron? Si, y a un forgeron. Bien en allant vendre... Là, j'ai cru que c'était des corps humains. Bien en allant vendre ce qui est inutile. Et après, il y a des petites quêtes secondaires à faire. Dis-moi ce que tu cherches. Vendre. Et ça y est, on a les 17 000 maintenant. Ça, je vends au 130. Je vais en profiter pour vendre tout ce que j'ai de bleu.
Je vais pas m'embêter avec ça. On peut pas vendre l'arc d'Artémis. Ça j'y mettrai jamais. Les capuches, j'y mettrai jamais, c'est sûr. Ça c'est marrant, le casque de champion athénien, je vais gagner. Je vais garder, pardon. Ah ça j'avais dit que je gardais. Ça, c'est bon, je peux vendre. Ouais, ça c'est plus sur chasseur, ça m'intéresse pas. Ça pareil, je vais vendre. Ouais, bah l'argent monte là. J'en avais pour une vraie fortune sur moi, dis donc. On va vendre. Appareil. Le casque de guerrier perse, ça je vais le garder parce que j'en ai pas douté d'autre. Ça je garde. 943 ça vaut. Et tout ce qui est au même niveau, ça fait les mêmes dégâts. Hein. Ça fait des critiques. Pourquoi je l'ai pas mis ça? Ah parce que ça me fait des dégâts de chasseur au lieu d'autre chose. Ouais c'est sûrement ça. Ça valait combien? 98, ouais je vais garder. Hop. Si je peux autre chose bon. Pour toi. Du coup maintenant ça passe. Il va même me rester des sioux que je vais pouvoir envoyer à l'arc. Merci les nuls. Par où qu'on grimpe? Oh, j'ai oublié ça. C'était déjà présent sur Unity. Ça y est, j'ai les sous, madame. Revoilà le puissant spartiate, ou presque. J'en suis pas moins puissant. Hein. Par contre, ça me fait mal au fondement de lui donner ça. Ravi de faire affaire avec toi. Combien de temps vais-je devoir attendre ces informations? Je les ai, déjà. Pardon? Tamirin navigue désormais sous le nom de Phénix. Elle a commencé dans mon équipage et l'a quitté il y a peu de temps. Flashback. Il faut que je parte. J'aimerais bien voir ces marques de naissance, moi, sur le bras. Tu es chez toi, à Chaos. Mais ce n'est pas ma vocation. Mon but. Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phénix. Je continuerai à chercher. Tu es une bonne pirate. Et tu es une amie meilleure encore. Ne m'oublie pas. La différence de taille est impressionnante. Elle est où? Tu sais où elle est en ce moment? Elle est partie au sud-est avec son équipage pour une tâche plus grandiose. Alors elle est passée du statut de son équipage. Ah non, elle a commencé avec elle, mais après elle était peut-être indépendante comme moi. Elle a travaillé pour toi. Quelque temps. Pourquoi est-elle partie? Elle s'intéresse beaucoup trop à la politique et à cette guerre. Ce n'est pas sain pour un pirate. Je reste sans nouvelles depuis qu'elle est partie. Des questions intéressantes. De Chaos à Sparte. Comment vous êtes-vous connu? En mer, il y a longtemps. J'ai vu en elle une vie meilleure et en moi, elle a vu la liberté. Ensemble, nous avons régné sur les eaux.
J'ai du mal à l'imaginer en pirate. C'est le genre de femme qui, quand elle s'est fixé un but, l'atteint toujours. Ok, bah je te remercie. Donc elle est partie au sud-est. Ce n'est pas un toit, ce sont des croches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il y aura une place pour toi ici. Phoenix, il doit y avoir des gens qui connaissent. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, j'avais... Moi, pop, ils vont se calmer. Hein. J'avais... Nous ne sommes pas des voleurs. Et pas vous, J. Montrer les couleurs. Ouais, là, j'avais quelques missions à faire pour eux. Elle est partie au sud-est. Pas à Delos. Ce serait plein est. Mykonos sont plus, Samos sont plus. Ça, c'est nord-est. Elle doit être quelque part par là. Paros ou Naxos, Kos. En même temps, il y a beaucoup d'îles. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas... Elle n'est pas à Mélos, elle n'est pas à Hydrea. Je me demande si je peux tomber sur elle par hasard. Delos, ça c'est sûr qu'elle n'y est pas. Mykonos non plus, Samos non plus. Sud-est. Ouais, peut-être une de ces... Elle doit être là. Là, 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 là ou là. Elle peut être dans une de ces... De ces îles là qui forment un cercle. Ça c'est vraiment trop au sud. Ça c'est sud, sud, ça c'est sud-ouest. Donc ouais, je pense qu'elle doit être, elle doit se planquer quelque part par là. Alors, du coup. 19-22, 19-23. Bah maintenant que j'ai fini ça, là aussi j'ai des petites quêtes. Attends, je suis là et on dit que c'est ici l'île des pirates. Avant de partir, j'irais bien me faire une petite bataille. Histoire de donner l'avantage à un camp. Et histoire de me faire un peu d'XP. Ouais. Ça me tente bien tout ça. Allez, on va se faire ça. Je sais pas combien j'en suis de vidéos, mais ça permettra de conclure la vidéo en... tranquillement, sans se prendre trop la tête. Moi, je fais honte aux mercenaires, moi? Ouais, bah, me cherche pas, bah, t'as raison. Kéré, tu veux te faire discret, mais pas assez. Tu n'es sûrement pas venu seul pour étendre les terres spartiates. Pas les terres, mais les eaux. Mes forces vont s'attaquer aux navires athéniens. Si ton équipage sait se battre, que dirais-tu de te joindre à nous et de faire voile vers la gloire? Une bataille navale? Sparte peut compter sur mon équipage. Ah, je pensais pas que ça existait, ça. Allons montrer à ces Athéniens ce qu'est la colère de Poséidon. Bah, là par contre, je peux peut-être me faire toller parce que vous avez remarqué que je suis pas... Là-bas, plus vite! Allez, rameur! Archer! Soyez prêts! On va nous incendier! Ne les laisse pas nous contourner! Siffler! Oh, je prends cher, mais je prends cher. J'espère qu'on a les abordages. Des flèches sur nous! Attention! Il veut nous détrôner! À vos flèches! J'en fais nous tirer dessus! Allez hop, on va aborder, ça va nous redonner de la santé. Ok, donc je savais pas que ça se faisait en bataille navale aussi.
Hop, ok, lui c'est réglé. Allez. Allez. Juste regarder sauter. Ok, lui il est passé superbement bien. Qu'est-ce qu'il faut à bord du bateau, lui? Allez, allons-y. On va s'approcher de ces débris. Préparez vos flèches. Mets-les. Les lance, maintenant! Ils ont fait leur projectile! Le navire va nous coûter! Tenez-vous prêts, l'ennemi va tirer! Je veux les voir brûler! Le capitaine, il faut... Opposez l'allure! Attention aux flammes! Cet incendie va assécher le navire! Il s'apprête à nous éprôner! Oh, j'ai pas vu venir celui-là. J'ai pas vu venir. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je sais une bataille navale, j'irai sûrement la refaire plus tard. C'est pas ce qui m'intéresse des masses. Pas la pas la pop pop pop. Bon, c'est pas grave. Un fail. Chacun à son poste. Ah oh bah non, on n'a pas le fail. Plus vite. Vitesse maximum. Malaka, ils arrivent droit à nous. Et on Allez. Oula. Ok, là je m'y suis pris encore plus mal. Oh. Ah bah ça m'apprendra à vouloir faire un truc en plus. Hein. La prochaine fois quand je dis que c'est la fin de la vidéo, c'est de la fin de la vidéo. Ok, bon on va faire ça comme j'ai fait la première fois. Faut que je fasse les petits avant de faire le gros. En même temps, on est moins nombreux qu'eux. Hein. Remontez-moi cette voile. Parez à tirer. Maintenant. Utilisez des flèches enflammées. Il faut bouger avant qu'ils nous frappent. Capitaine, ils ont l'avantage sur nous. Ils tirent sur nos coups. Ils essaient de nous éprôner. Hop. Allez, pointez. Allez. L'ennemi lance des flèches. J'ai réussi à les foutre en feu un moment instant. Là, ça va me permettre de me refaire une santé. Ah oui, je ne savais pas avant de faire cet épisode qu'il y avait des batailles navales pour les conquêtes. Allez. Hop.
Allez, donc on enlève ton bouclier. Ouais, j'avais oublié que j'avais consommé un dalry pour mon régène. Du coup, j'essaie de calquer mon ulti, mais ça passait pas. Allez, hop. Allez. Ne t'en fais pas, ça ne sera plus très long. Par contre, ce qui est moins drôle, c'est que tout mon équipage s'est fait massacrer. Alors, attendez. Avant que je reprenne les choses en main. Dans l'eau, il y a des débris. Je veux bien prendre le commandement, mais laissez-moi le prendre. Besoin d'aide ici. Allez. Il est imminent. Les flèches sur nous. J'ai besoin d'hommes ici. Allez. Oh. Embrochez-les. Attention, ils vont te. Et hop, on aborde le mur. Donc il reste un mercenaire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à mes trousses ? Le mercenaire est loin. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'assez. Assez ! Faudrait vraiment que j'apprenne à me protéger. Voyons s'il se fait ça ! Ambulance ! Préparez vos flèches ! Attaquez ! Maintenant ! Allez, faites vitesse! Des flammes sur nous! Des mines en flèches! Les lances! Vous oh, ça c'est la première fois que je fais! Ah, de nouveau! La bestia peut continuer à voguer! Allez! Rejoignez le large! Allez, on va aborder! On va se régénérer parce que là j'ai vraiment une sale santé. Et après on ira s'occuper du mercenaire qu'elle a voilà, en forme de chouette. Donc, c'était limite. Hop là. Mais protège-toi quand je dis de te protéger. Voilà. Bon.
Hop là. Mais allez, purée! Ah, quand je me trompe dans les touches, ça m'énerve. En plus, je l'avais bien fait, celle-là. Bon. J'arrête la vidéo là, parce que ça va durer trop longtemps. Et puis, considérez que la victoire est gagnée. J'y passerai 20 minutes encore s'il le faut, mais elle sera gagnée. Allez, ciao, ciao, les amis! Et voilà! Donc, c'est le dernier navire qui me reste à aborder. C'est le mercenaire. Allez. Allez, hop. Allez. Allez, recule. Allez, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, enfuis-toi, 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 mon petit. Allez, toi aussi, brûle. Hop, on va temporiser un peu. Voilà. Je régène. Hop, hop, hop. Allez, enlève-lui le bouclier. Et là-bas. On déclenche l'ulti. Allez, on lui arrache le bouclier. On n'y a pas réussi. Dans le dos. Allez, on finit avec ici. Même pas. Allez. Bon. Ça aurait été un petit peu chaotique. Mais j'aurais réussi à récupérer. Et à finir. Enfin. Allez, on récupère tout. Allez, plus vite! Eh bah, grand Dieu! Ce fut laborieux. Donc! Bah, du coup, ça y est, là, au camp spartiate. Ça aurait été galère. Ça aurait été galère. Alors, qu'est-ce que j'ai looté? Ça, c'est bon, ça. Par contre, là, le plus 8% de proba d'ignorer la moitié des dégâts, ça, c'était sympa. Mais bon, on va ce stuff. Casque de champion. Ok. Embrassard, on a quoi? Non. Ça, mais j'avais dit que ça allait pas avec le reste, donc pour l'instant, non. Est-ce que j'ai loot un plastron? Oui, plastron, niveau 19, épique. Ça, ça me fait des dégâts d'assassin, mais c'est pas ce qui m'intéresse.
cuirasse d'Arès par rapport à mon 15. Arès. Plus 2% d'incendiaire, plus 12% de poison. Ouais, mais je joue pas d'autres poisons, ça m'intéresse pas vraiment. Je gagne en chasseur, je perds en armure, je perds en assassin. Non. Non, clairement, non. C'est dommage. C'est dommage, là. Ça, franchement, c'est dommage. Pour une fois que je loot du 19, là, là, j'aurais rien de mieux. Je récupère du cuir, du fer. Ouais, je pense pas que j'aurai un truc de mieux, là. Non, en effet. Bon, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Tchou tchou les amis, à très bientôt.